Solidarité, Serco, solidarité, c'est la force, solidarité, Serco, solidarité, et c'est du Serco. Bienvenue au groupe Serco, c'est un grand honneur de vous recevoir. Comme vous le savez, nous sommes un groupe qui a été créé en 1998 au Bénin et nous avions après étendu nos activités au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et puis en France. Aujourd'hui, le groupe pose ses ambitions également sur le Ghana pour donner la possibilité à nos étudiants d'apprendre l'anglais sur place, mais aussi au Nigeria, au Sénégal et au Togo. Comme vous le savez, notre activité a commencé par la formation, notamment de moins la formation secondaire et universitaire. Là, vous êtes dans le rôle du groupe Serco, hein, ce rôle-là qui a, dans le côté administration, un showroom qui permet aux différentes personnes donc, qui nous visitent de découvrir les équipements, de moins ce que nous arrivons à fabriquer ici nous-mêmes, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables. Vous avez aussi un espace donc, assez convivial qui permet à l'étudiant d'étudier dans de bonnes conditions. Notre groupe aussi dispose d'un cabinet de consultation. Nous faisons beaucoup d'activités de consultation pour des gouvernements, hein, des systèmes d'enseignement supérieur. Visitons notre groupe. Des idées novatrices pour pousser le développement sur le chemin du savoir. Là, nous avons quelques modèles d'ordinateurs que nous fabriquons ici à Serco, de la marque Open. Là, par exemple, vous avez un ordinateur qui coûte 150 000 francs CFA. Donc, sur le marché, ça coûte 350 000 avec des options que nous donnons aux étudiants pour payer par tempérament à raison de 10 000 francs par mois ou bien 8 000 francs par mois. Là, c'est pour c'est des ordinateurs très portables qui peuvent tomber dans des environnements chauds, etc. et tout, et avec les mêmes caractéristiques que les ordinateurs normaux. Nous fabriquons des téléphones portables, des tablettes, hein, et plusieurs modèles d'ordinateurs. Tous ces matériels que vous visitez là sont fabriqués ici par nos étudiants, avec notre équipe technique. Et vous aurez tout à l'heure l'occasion de visiter notre usine. Et ici, nous sommes déjà à l'entrée des étudiants. Et tel que vous le voyez, l'entrée des étudiants ici est programmée de telle sorte que nous avons des tourniquets. Au niveau de ces tourniquets, chaque étudiant détient une carte d'étudiant qui lui sert en même temps de clé d'entrée dans l'école où on a la possibilité de contrôler leur présence, leur ponctualité au cours, le niveau de paiement de leur scolarité. De la délinquance. Alors, voici ce à quoi ressemble une salle de classe à Serco. Nous avons un tableau interactif qui est un tableau numérique rattaché à un ordinateur serveur. Vous avez un vidéoprojecteur et puis une caméra PTZ. Ce système est fait de telle sorte que le cours qui est dispensé par les professeurs est automatiquement enregistré, stocké sur un ordinateur et puis diffusé après vers notre réseau des étudiants qui sont en ligne. Sans oublier, mise en place du système SMS pour faciliter les relations entre l'école et la famille. Là, nous rentrons dans le service du traitement des données sensibles, essentiellement les notes. Il s'agit de quoi ici? Dans ce service, vous allez voir que les gens sont installés sur des ordinateurs et ils travaillent tous sur un PGI, c'est-à-dire un logiciel de gestion intégré que nous appelons Cocktail Scolaris. Le contrôle de qualité, au fait, c'est d'abord en amont le choix des enseignants de qualité à travers une étude vraiment approfondie des dossiers qui nous parviennent. Ensuite, veiller aux étudiants à accueillir dans l'Institut. Ainsi, en plus, tout le moule, tout le système à mettre en place pour veiller au fait à l'amélioration continue de la qualité au sein de l'Institut Serco tout au long de l'année scolaire. Bienvenue au laboratoire Einstein, laboratoire électronique de Serco Bénin. Ici, les étudiants ont l'obligation de réaliser tout ce qu'ils ont comme schéma ou modèle qu'ils ont eu à réaliser en classe en théorie. Ils doivent passer dans cette salle pour concrétiser, c'est-à-dire réaliser ces plaquettes-là. Et nous avons ici des oscilloscopes numériques. Là, vous avez des écrans rattachés à des ordinateurs qui leur donnent les schémas. Et de l'autre côté, vous avez les boîtes à outils. Nous sommes ici dans l'unité d'assemblage d'ordinateurs portatifs, de smartphones et de tablettes de l'Institut Serco. Le chemin du savoir-faire en informatique de pointe en automne 98. Le cabinet Serco assiste beaucoup les entreprises et les ministères dans la refonte de leur système d'information. Donc nous faisons
tout ce qui est donc les audits de systèmes d'information, accompagnement, installation de matériel. C'est ainsi que nous avions accompagné, par exemple, les universités nationales sur le financement de la coopération française dans la refonte de leur système d'information. Nous avons aussi accompagné le ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire avec un audit pour toutes les universités nationales de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'Alliance française pour le développement. Et nous avons aussi travaillé pour le CAMES, le Conseil africain Maghreb pour l'enseignement supérieur, pour l'élaboration du référentiel des systèmes d'information des universités de l'espace CAMES. CERCO est devenu aujourd'hui une école, une usine, un incubateur, EII. C'est un concept assez unique qui nous différencie fondamentalement des autres groupes. Il faut dire que nous faisons aujourd'hui partie des plus grands groupes au niveau sous-régional en matière d'éducation et de formation. Et nous sommes présents au Bénin, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, en France. Et à partir de l'année prochaine, nous ouvrons au Sénégal, au Togo, au Ghana et au Nigeria. Nous avons aussi l'incubateur où les étudiants sont accompagnés dans la création de leur entreprise avec un suivi et un accompagnement financier que nous faisons.